Alice is 71. She's Robert's second wife. Robert is 91. In 1914, he joined the Colored Battalion and fought in France in the First World War. Then the apartheid came in. They were white and he was, classified, colored. Anna numero. En tiedä edes nimeäsi. Kerron ensi kerralla. L'acide sulfurique est corrosif pour la peau. C'est ce bordel. Qu'est-ce que tu fous, Élise? Les yeux, les voies respiratoires et digestives. 20 départements en vigilance rouge à la canicule du jamais vu. Merde. Vas-y, vas-y. Accroche-toi. 42 degrés attendus dans les rues de la capitale. Classified People, ressorti d'un documentaire rare et puissant sur les violences de l'apartheid. Les Feuilles mortes, une histoire d'amour poétique et sensible, signée Aki Korismaki. Et puis Acide, un thriller de science-fiction sur l'urgence climatique avec Guillaume Canet. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous et bienvenue Yolande Zoberman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue nous voir dans À l'affiche. Alors votre premier documentaire sorti en 1987 ressort en copie restaurée, Classified People, un film incroyable dans lequel vous filmez de l'intérieur l'apartheid en Afrique du Sud. Avant de parler avec vous de ce film, notre monsieur cinéma, Thomas Morez va faire les présentations. Bonjour Thomas. Bonjour Yolande Zoberman, vous êtes réalisatrice, scénariste. Au cinéma, votre œuvre se compose aussi bien de documentaires que de fiction. Moi, c'est par la fiction que je vous avais découvert. Je me souviens à l'époque avec moi, Yvan, toi, Abraham, il y avait aussi Club to Death, Lola, ou encore La guerre à Paris avec Élodie Bouchèze. Votre dernier long métrage en date, il s'appelle M, comme M le maudit de Fritz Lang, mais M, une plongée documentaire sur un sujet sensible, la pédophilie au sein de la communauté ultra-orthodoxe juive dans la banlieue de Tel Aviv. Un film qui vous a valu notamment un prix spécial du jury à Locarno et un César du meilleur documentaire. Voilà, alors la ressortie de ce Classified People, eh bien, nous oblige à revenir aux sources mêmes de votre œuvre, puisque c'est votre premier long métrage. Vous l'avez dit, vous l'avez bien résumé, un portrait d'un couple mixte, qui subit de plein fouet la discrimination de l'apartheid. On va regarder à quoi ça ressemble et on en parle juste après avec vous. To have your race change from color to white, you are subjected to a few tests. I just cannot humanize myself with him. Who's a kaffir is a kaffir. Schizophrenia becomes reality. You might look white and your nose is white and everything is white, but they're going to fight that you're not white. I chose to remain the way I am and to be rejected. Yolande Zoberman, comment est né ce film, ce premier film pour vous? Moi, j'ai toujours été intéressée par ce qui se passait aux frontières entre les gens. Et j'ai eu l'idée de ce film parce que j'avais vu pas mal de films sud-africains et sur l'Afrique du Sud. Et donc, et les choses se sont passées assez rapidement. En fait, quand je suis arrivée là-bas, j'ai voulu voir comment la classification pouvait traverser une famille et même un être, puisque la première personne que je devais filmer était quelqu'un qui a été reclassifié 8 fois. Hein. Et puis on a été dénoncé, donc ça n'a pas été possible. Et en fait, je connaissais déjà Robert et Doris, parce que le journaliste qui est dans le film, qui dit qu'il a refusé d'être blanc, nous les avait présentés, il m'avait dit juste qu'il ne faut pas parler de leur histoire. Et en fait, qu'on a été dénoncé et qu'on n'avait plus le personnage principal du film, je me disais quelque chose de mieux va arriver. C'était le 31 décembre. On a été danser sur le port. Et là, il y a 2 filles qui m'ont dit « Mais viens voir mon grand-père, il est dans un township. » Et j'ai dit « Grand-père, grand-père, mais je vais aller voir Robert et Doris, que je voyais régulièrement parce qu'on était bien chez eux, on venait prendre le thé. » Et on a attendu qu'ils se réveillent et je leur ai dit, voilà, je suis là pour faire un film, je ne vous l'avais pas dit avant.
est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous filme? Et ils m'ont dit oui, tout de suite. Et on a commencé, on a dû aller très vite parce qu'on ne voulait pas être dénoncé à nouveau. Et ce qui est intéressant, je vous coupe, pardon, mais l'un des sujets de ce film qu'on découvre pour le profane qui ne connaît pas en détail l'apartheid, c'est comment on séparait des familles, parce que Robert, il faut expliquer un peu son parcours, il a combattu en tant que soldat pendant la Première Guerre mondiale au sein d'un bataillon mixte. Donc au moment de classifier les gens, le tribunal dit... Toi, tu seras mixte, donc colored, comme dit Doris, sa femme. Mais en revanche, ses deux enfants, eux, sont blancs, ce qui va créer des scissions, ça même, des familles. Complètement. Et ça, ça me passionnait, parce que, en plus, moi, j'avais été fascinée par un film qui s'appelait Monsieur Klein, de Joseph Losey. Absolument, avec Delon. Où Monsieur Klein, ça pouvait être n'importe qui. Et je me rappelle que j'étais restée deux séances de suite. La première, parce que j'étais captivée par le film. La deuxième, parce que je regardais la salle autour de moi. Et tout d'un coup, il y avait, c'était plus, ça n'arrivait plus à l'autre. Ça pouvait arriver à n'importe qui. Et d'une certaine manière, j'avais envie, d'un côté, d'obtenir ce résultat. C'est-à-dire, comme il dit à Roger, t'as tout qui fait que t'es blanc, mais peut-être un mec va arriver et va te dire, bah, t'es pas blanc. Et ta vie sera différente. Et aussi, pour moi, c'était extrêmement important de faire un film lumineux parce que je ne voulais pas victimiser des victimes. Je ne veux pas réduire des victimes à leurs blessures. Je trouve que c'est extrêmement violent. Et les gens que j'ai filmés nous illuminent. Nous illuminent parce qu'ils nous montrent comment vivre. Ils nous montrent que voilà, la solution, elle est dans l'intime. Que la politique aussi est dans l'intime. Et pour moi, c'était important parce que je ne croyais pas à la politique. Et oui, parce que Doris, on la voit, il y a plein d'éclats de rire quand même pendant le elle film. Est lumineuse, et c'est extrêmement Doris. Joyeux. Vous avez parlé à demi-mot que c'était, on imagine, compliqué à tourner. Donc vous le tournez en Afrique du Sud, clandestinement, je crois. Comment ça se passe? En fait, ma couverture... en fait, je crois que j'aime bien la clandestinité. Et ma couverture, c'était d'être très visible. C'est-à-dire que... on avait pris un titre de fiction. Je tournais avec une équipe sud-africaine. Les Sud-Africains avaient le droit de tourner sans autorisation. Donc, la couverture, c'était « Soyons le plus visible possible ». Et voilà, donc... vous savez, je suis une couarde. Donc, quand j'ai pas peur, j'y vais. Quand j'ai pas peur, c'est que je sens que c'est bon. Et je sentais que c'était bon. Je sentais qu'on allait y arriver, mais... C'est vrai qu'il fallait faire assez vite. C'est vrai que c'était mon premier film. Je sais, voilà, c'est le film qui m'a tout appris, le cinéma, mais aussi comment vivre. Merci, Yolande Zuberman. Ça passe tellement vite. On a encore beaucoup de questions à vous poser, malheureusement. Mais on va continuer à faire le tour de l'actualité des salles, Yolande Zuberman, avec l'un de vos coups de cœur, Thomas Borez. Coup de cœur du dernier festival de Cannes. Ce sont les Feuilles mortes du Finlandais Aki Kaurismäki. Oui, j'aime beaucoup Aki Kaurismäki. Aussi son cinéma depuis une quarantaine d'années maintenant. Alors là, c'est l'histoire de Hansa. Hansa, c'est une caissière de supermarché solitaire, quelque part à Helsinki. Et puis Olapa, lui, il est ouvrier alcoolique, un peu alcoolique sur les bords. Ils vont se croiser dans un karaoké et c'est immédiatement le coup de foudre. Sauf que, l'un et l'autre cherchent à se revoir, mais le destin n'est pas tendre avec eux. Il va y avoir une succession de quiproquos. Voilà, autour d'eux, le monde n'a que du chaos à offrir, notamment à la radio bruisse le fracas de la guerre en Ukraine. Rappelons que la Finlande est frontalière de la Russie, ce qui explique pourquoi Aki Kaurismäki se préoccupe aussi de ça. Voilà, il y a peu d'espoir, mais quand même, avec Kaurismäki, il y a toujours la lumière qui parvient à rentrer. Je propose de regarder à quoi ça ressemble. En tiedä nimeä. Se kieltämättä vähän haittaa. Olen vankina täällä ikuisesti. Myös hautausmaata kiertävät aidat. Kun päättyisi viime mallinen pesti. Mut syventään kuitenkin. Olen etsinyt sinua kaikkialta. Ajattelin, että löysit mieleisemmin. Itseäni siedä. Mukava asunto.
Voilà, ce film est donc signé du Finlandais Aki Kaurismäki, cinéaste à l'univers très, très singulier. Oui, c'est vrai qu'on retrouve à chaque fois, on a l'impression vraiment de mettre ses petits chaussons et de retrouver l'univers de Kaurismäki à chaque fois, c'est-à-dire ses lumières chaudes, ce ton un petit peu vintage avec ses objets. Même si on est dans le monde moderne, on sent que les portables sont un petit peu cachés. Ce qui est formidable avec Aki Kaurismäki, on voit là une partie de son œuvre, alors même les affiches hein, dessinent un même univers. C'est l'un des dignes descendants, osons le mot, de Charlie Chaplin. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, dans ce film, il y a un petit chien, voilà, qui s'appelle d'ailleurs Charlie Chaplin. Alors, au-delà du clin d'œil, il y a vraiment ce côté poético-burlesque et cette prédisposition au mélodrame, au très beau mélodrame social, tel que le savait faire Charlie Chaplin. Voilà, Les Feuilles Mortes, il y a ce titre, hein, qui est quand même un hommage hein, à une chanson, un monument de la chanson française, à Prévert. Et bien, effectivement, ici, ben, voilà, le destin sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. C'est un peu ce que raconte Ces Feuilles Mortes, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de poésie. Mais je le disais, ce qui est beau avec Aki Kaurismäki, c'est qu'il croit dur comme fer, un peu comme vous sûrement, Yolande Zoberman. Il croit à l'humanité et il y a toujours la lumière qui s'allume quelque part. Vous aimez, je crois... Ouais, beaucoup. Beaucoup, et j'ai très envie de voir ce film. Ouais. Allez-y. Allez, on change totalement d'univers, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Acide de Juste Philippot. C'est un film catastrophe avec Guillaume Canet. Oui, les catastrophes en question, mais ce sont des pluies acides en fait, qui s'abattent sur la France. C'est Guillaume Canet qui joue un père d'une petite fille de 15 ans et qui va essayer bah, justement de préserver cet enfant et sa famille. On pense un peu au Spielberg de la Guerre des Mondes. Juste dire que Juste Philippot, on l'avait reçu ici d'ailleurs, on avait défendu son premier long métrage, s'appelait La Nuée, où déjà il était question de catastrophes plus ou moins naturelles. Allez, juste dire que le cinéma français de genre va bien, puisqu'à Cannes, outre cet Acide, on avait découvert aussi Le règne animal de Thomas Caillé, Vincent doit mourir de Stéphane Castan, qu'on va bientôt découvrir dans les salles. On en reparlera ici. Preuve que en France, on sait aussi faire du cinéma fantastique. Merci beaucoup Thomas, merci encore à vous Yolande Zoberman d'être passée nous voir dans l'affiche pour nous parler de la ressortie de votre documentaire Classified People, et merci à vous de votre fidélité, chers téléspectateurs. N'oubliez pas de suivre à l'affiche sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, vous connaissez. On se quitte donc avec la bande-annonce d'Acide de Juste Philippot, donc avec Guillaume Canet. À très vite sur France 24. Vous êtes où là? On allait où? Vous pouvez, putain! Dès que vous pouvez, vous allez vers l'est. Allez, dépêche-toi, faut y aller. Mais si ça pète aussi à l'est?